Bonjour. Aujourd'hui, le thème de la leçon, c'est remercier, s'excuser. Remercier. Moi, je suis fatigué. Tiens, voici un café pour toi. Oh, merci beaucoup, Tania. Je t'en prie. Tu peux ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. De rien. Tenez, 10 euros. Merci, madame. Et voici vos fruits. Je vous remercie. Bonne journée. Pour remercier, on peut dire merci ou bien encore merci beaucoup. Si on veut être encore plus poli, on peut dire merci madame, merci monsieur ou encore je vous remercie. Lorsqu'une personne vous remercie, vous pouvez lui répondre de rien, je t'en prie. Ou si vous voulez être encore plus poli, vous pouvez répondre « Je vous en prie ». S'excuser. Désolé Maya, je suis en retard. Ce n'est pas grave Thomas. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je suis. Tu es. Il est. Excusez-moi, je suis en retard. Il n'y a pas de mal. Asseyez-vous. Ah. Oh, pardon. Ce n'est pas grave. Pour s'excuser, on dit « désolé ». Pardon, excuse-moi. Si on veut être encore plus poli, on peut dire « excusez-moi ». Lorsqu'une personne s'excuse, vous pouvez lui dire « ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal ». Exercice. Regardez bien la vidéo. Que disent ces personnes? Essayez de deviner ce que les personnes disent. Vous avez bien regardé la vidéo? Alors, petite question. Que dit le jeune homme à la femme? Pour lui demander le chemin. Numéro 1. Salut, je suis perdu. Numéro 2. Excusez-moi, je suis perdu. Numéro 3. Je vous remercie, je suis perdu. Réponse. Numéro 2, bien sûr. La femme explique le chemin très gentiment. Question. Que dit le jeune homme à la femme quand la femme a bien expliqué le chemin au jeune homme? Numéro 1. Salut, j'ai compris. Numéro 2. Je vous en prie, j'ai bien compris. Numéro 3. Je vous remercie, j'ai bien compris. Réponse. Numéro 3, bien sûr. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.